Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 9 de coupe, le 10 de coupe, le page de denier, le soleil, le roi de denier et le chariot. Eh ben, vous avez un super tirage, les béliers. Un super tirage. Avant de démarrer la lecture de votre tirage, vous trouverez ici en haut de cette vidéo, en haut à droite, sur le petit i d'information, il y a une vidéo où je vous explique, où je vous parle d'une étude scientifique qui est menée sur la cartomancie, la voyance, les guidances, toutes les vidéos en ligne, etc. C'est mené par deux chercheurs des universités de Paris et si vous avez envie d'y participer, vous retrouverez toutes les informations dans cette vidéo avec le lien du questionnaire qui vous est proposé par ces chercheurs. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, une super quinzaine pour vous, les béliers. Franchement, le soleil brille, il est là, 9 de coupe, 10 de coupe, le plein bonheur par vous-même, pour vous-même, les vœux réalisés, le bonheur avec l'environnement. Alors, c'est ce que vous voulez, c'est peut-être pas encore là, mais vous êtes pleinement heureux, vous. Et vous avez envie maintenant de le partager. Et en force, on vous dit, mais quoi, t'as envie de le partager? Eh ben vas-y, partage-le. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Et le chariot, en résultat, qui me parle d'élan, de dynamisme, de réussite, d'aller de l'avant, peut-être pour certains, de voyage, de déménagement, de mutation. Mais ça va dans le sens de ce que vous voulez. Alors... que demande le peuple en fait. Juste le petit bémol, c'est que je sais pas dans quoi, alors pour certains vous voulez du bonheur amoureux, pour d'autres vous voulez, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous avez un projet avec votre famille, avec votre conjoint, pour d'autres encore c'est professionnel, pour d'autres encore c'est dans un projet de vie alors artistique ou sportif ou créatif, je sais pas. Le truc c'est que vous êtes dans l'état d'esprit du valet de denier et vous avez le roi en challenge, ce qui m'indique que vous vous sentez peut-être pas suffisamment mûr dans cette situation, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir suffisamment les finances, de ne pas avoir suffisamment l'expérience, les compétences, de ne pas savoir bien gérer la situation. Bref, c'est franchement, c'est un petit bémol, ok? Alors, vous entrez dans... Hop là, les cartes m'en tombent, tellement c'est beau. Vous entrez dans cette quinzaine avec le 9 de coupe. Je vous disais, le 9 de coupe, c'est... la réalisation des vœux, c'est le plein bonheur par soi-même, pour soi-même. Donc vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous, vous êtes dans une satisfaction personnelle dès le début de cette quinzaine. Il y a peut-être effectivement des rêves qui vous tiennent à cœur, mais le 9 de coupe, c'est je suis déjà très heureux avec, avec ce que j'ai, avec qui je suis, avec ce que je vis, etc. Et c'est justement la super condition pour après partager ça avec l'environnement. Quand on n'est pas pleinement heureux et pleinement satisfait par soi-même et pour soi-même, on a tendance à projeter sur les autres les manques qu'on a et d'attendre de l'environnement que l'environnement vienne combler quelque chose qu'on ne s'est pas offert, donné à soi-même. Mais vous, c'est pas le cas. Vous avez déjà cette complétude avec vous-même. Et du coup, le partage avec l'environnement, c'est du plus, c'est du mieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben, vous voulez
Vous voulez un environnement, vous voulez l'arc-en-ciel, vous voulez le jackpot, vous voulez de l'amour, vous voulez, alors pour certains, vous voulez une famille, vous voulez bâtir une famille, pour d'autres, vous voulez un plein bonheur avec la famille que vous avez déjà, pour d'autres encore, c'est pas, c'est professionnel ou en dehors du domaine amoureux, et vous voulez vous réjouir avec votre environnement. Vous voulez de l'amour, vous voulez de l'abondance, de bonheur, vous voulez de la sensibilité, vous voulez être dans un environnement où vous vous sentez reconnu, apprécié, soutenu, vous voulez passer du bon temps avec les gens que vous aimez qui sont dans votre entourage, vous voulez vous sentir comme en famille, même si c'est dans le domaine professionnel, vous sentir comme en famille symboliquement avec votre famille d'âme. Pour certains, vous voulez trouver votre famille d'âme. Donc vous voulez vraiment partager ce bonheur, un projet, quelque chose qui vous plaît beaucoup, vous voulez le partager avec l'environnement. Et le truc, c'est que vous savez peut-être pas trop comment vous y prendre. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce page de denier qui est au démarrage de quelque chose et qui se pose la question, bon, comment je m'y prends ? Matériellement, financièrement, comment je m'y prends dans la matière, quel premier pas je vais poser, quelles premières actions, est-ce que je fais ça d'abord, est-ce que je fais ça ensuite. Et je vois ce page de denier qui est en train de regarder ce 10 de coupe. J'ai très envie de profiter avec mon environnement, j'ai très envie de tout ce que je vous ai décrit, et vous savez mieux que moi de quoi vous avez très envie. D'ailleurs, si vous voulez partager dans les commentaires, c'est quoi ? C'est quoi votre Graal ? Qu'est-ce que vous êtes en train d'appeler de vos tripes, de vos vœux, de tout votre cœur en ce moment et que vous avez envie de partager avec votre environnement ? Donc vous savez ce que c'est et vous regardez ça avec le côté « bon, je suis vraiment au début de ça, comment je fais ?» Comment je fais ? Et pour moi, c'est là que ça fait résonance avec ce roi de denier en challenge. Le roi de denier, quand il est bien aspecté, il est dans une pleine abondance. Il est riche, alors riche à tous les égards en fait. Il est riche dans la matière, il est riche dans ses compétences, dans ses expériences, dans sa faculté. C'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui est extrêmement rassurant parce qu'on sent qu'il a, il a de la ressource en fait dans toutes les façons de l'entendre. Donc, est-ce que vous ne vous sentez pas rassuré et rassurant parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir toutes les ressources, justement ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans votre environnement, ce roi de denier, et un roi de denier qui pas très bien aspecté, c'est quelqu'un qui justement n'a pas toutes les ressources ou ne sait pas bien gérer. Normalement, c'est un très bon gestionnaire. Moins bien aspecté, c'est quelqu'un qui gère pas très bien. Alors, est-ce que c'est vous qui gérez pas très bien ? Est-ce que c'est quelqu'un, une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui gère pas très bien ? Est-ce qu'il y a des investissements qui sont pas très bons ? Vous voulez un partenariat ? Vous voulez rencontrer quelqu'un ? Vous voulez profiter avec avec X ou Y personnes, mais il y a peut-être quelqu'un, peut-être une autorité supérieure à vous d'ailleurs, si c'est dans le travail, un chef qui s'y oppose. Maintenant, franchement, j'ai pas une notion de mur contre lequel vous vous mettez des coups de tête, etc. Bon, attention à investir judicieusement, ok. Mais c'est peut-être simplement reporter. Mais j'ai tellement de jolies cartes autour que si c'est pas vous, franchement, et que c'est une autorité extérieure qui vous limite un peu, c'est vraiment, ça vous limite un peu. C'est un petit bémol. Avec le soleil en force et le chariot en résultat, autant vous dire que bon... le roi de denier, c'est pas lui non plus qui va vous empêcher d'avancer et de vous faire plaisir. Donc en force, on vous invite à privilégier
la chaleur, alors l'amour, les retrouvailles, si vous étiez justement, vous avez envie de partager, mais peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps certains amis, des gens de la famille, des gens que vous aimez beaucoup, on vous dit, bah, t'as envie de partager, bah, vas-y, vas-y, partage. Donc le soleil, c'est une carte avec laquelle on se retrouve, avec laquelle, regardez, on a deux personnages qui se regardent là, face à face. Donc c'est vraiment, on vous dit, mais fais, va vers les autres, sois toi-même brillant, chaleureux, rayonnant, etc. Et puis ça va se faire tout seul, le côté magnétique. On vous parle aussi avec le soleil, c'est les vacances, c'est l'été, c'est la chaleur, de peut-être pas non plus rester focus uniquement sur l'argent, sur le travail. Vous avez envie de passer des bons moments et de profiter avec l'environnement. Il faut peut-être pas être que dans la matière, que dans des questions matérielles, etc. Il y a peut-être simplement des conversations à avoir autres que sur des choses de la vie de tous les jours, du concret, etc. On peut parler d'autre chose que du boulot ou d'autre chose de ce qu'on a fait, peut-être de dire aussi ce qu'on a sur le cœur, de dire, des fois on oublie de dire je t'aime, des fois on oublie aussi d'avoir des manifestations, donc prenez dans les bras, c'est vraiment la chaleur sous toutes ses formes et vous en avez envie. Donc vous avez envie de chaleur, et ben allez-y, dégainez les bisous, les câlins, les mots doux, les choses. Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir? Donnez-le. Donnez-le, partagez-le. Ok. Bon, je suis en train de chercher si enfin d'écouter si ce roi de denier veut me dire autre chose, mais. Non, j'ai pas l'impression. En résultat du mouvement, je vous le disais avec ce chariot, pour moi c'est aussi l'élan du soleil. Le soleil, il est souvent représenté avec des enfants dessus. Donc c'est le côté aussi spontané. Les enfants vont avoir des élans. Ils vont pas calculer comme pourrait le faire un roi de denier qui va faire des études de marché, qui va regarder concrètement sur le terrain qu'est-ce qui va lui rapporter, parce que c'est un investisseur lui. Donc là il ne s'agit pas de faire les choses, c'est pas un investissement, enfin pour vous si vous voulez, mais c'est pas il ne s'agit pas de calculer je fais ça pour obtenir une forme de reconnaissance, je fais pas ça pour je vais pas faire tel truc pour avoir un câlin en retour. Si j'ai envie d'un câlin, je le demande, c'est tout, ou je l'offre. Je tends les bras, est-ce que tu veux faire un câlin? Maintenant, des fois, on fait des choses dans la matière, on va faire des choses pour les autres, en se disant que, comme je t'ai rendu service, tu vas me dire, ah, super, génial, merci, je t'aime, tu vas me prendre dans tes bras. Mais peut-être que la personne, en fait, elle ne va pas réagir comme ça. Si au fond, vous avez besoin, envie, d'un bisou, d'un câlin, et que c'est le besoin profond, l'envie première, ben juste dites-le, d'accord. Regardez-vous en face dans la chaleur que vous avez envie d'exprimer, que vous avez envie de recevoir. Vous voyez, derrière, il y a un mur, là, ne vous enfermez pas non plus, et puis exprimez. Donnez ce que vous avez envie de recevoir, et puis exprimez ce que vous avez envie de recevoir, et c'est tout. Donc il n'y a pas de calcul à faire dans la matière pour passer par un chemin détourné. En résultat, donc, on se lance de la réussite, de l'optimisme, de l'élan, du mouvement peut-être au sens premier du terme dans la matière, des allées et venues, des déplacements, peut-être déménagement pour certains, mutation pour d'autres, de partir en week-end, de préparer des vacances. En tout cas, il y a vraiment cet élan pour le meilleur. Vous n'avez que des jolies cartes. Alors, le roi de denier en challenge m'indique aussi que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose. Ne croyez pas que vous allez avoir l'aboutissement dans cette quinzaine.
le page de Denier qui, avec sa graine toute neuve, là, ne vous imaginez pas que tout aura poussé et que vous aurez votre récolte à la fin de la quinzaine. Non. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens et que c'est pas déjà... et que ça ne porte pas déjà certains fruits. Alors, en message conseil, vous avez les Nornes qui vous disent « Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main, les rênes ici du chariot, ok. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. » Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.